It's Filipian monkey. Oui, le championnat. Le championnat de vacances. Ouais. Moi, je suis déjà prêt. On peut partir. Moi, je m'avance déjà et tu me trouves devant. Ok. Oh. La rentrée, c'est comme ça. Là, tu as fait comment? Parce que je n'ai même pas acheté un livre. Un seul. Je n'ai pas encore acheté. Ma peau, laisse-moi, maman. Celui-là m'a rien donné. Avec la vie qui est dure maintenant. Il pense que tu vas faire comment? Maman, je ne sais pas. J'ai ramassé n'importe quoi aux enfants pour qu'ils commencent. Je te dis, c'est la moindre des choses. Maman, ça ne va pas. Sinon, si tes enfants ont des livres, comme ta fille passe à la classe supérieure, non? Comme ça, on peut faire l'échange. Et mon fils, il part maintenant au collège. Maintenant, ton fils qui est dans ces CM2-là, qu'on appelle ça, on fait l'échange parce que c'est vraiment grave. Merci, ma copine. C'est même ce que je pensais. Mm-hmm. Vraiment. Ça veut dire qu'on va s'entraider. Mm-hmm. Ce n'est pas facile. Ah, Mouko, c'est comment? Ouais. Merci. Comment toi? Mon pistache, là. Maman, laisse-moi aller manger. Chaque jour, maman. Laisse-moi aller mon pistache. Tu vas m'inviter quand nous pour manger. Un jour, bientôt. Un jour, ça n'arrive. Non, le tout aussi, je vais t'inviter. Ok, d'accord. Fais un bon mets, là, tu vas manger. Ok, oh. Tu vas manger. Comme je te disais, là, non. Le marché est devenu dur. C'est dur. Ce qu'on donne par mois, ce que monsieur donne par mois, là, ça ne, ce n'est plus suffisant. Toi. Je te dis, c'est pas tout, maman. C'est pas tout. C'est pas tout. Et dit que la tomate, tu vois, la tomate, on te vend 2 à 200. À 200. 2. Maman, on va s'en sortir. Je suis obligée de casser comme ça, là. On te donne combien? Combien, maman? Combien? 2000. Tous les jours. Peut-être 1500. Ça hausse. Je croyais que de ton côté, c'était bêta. Ah, comme je suis bobo. Ok. Je croyais que de ton côté, c'était bêta. Eh oui. Je vois que c'est partout. Eh. Ah. Maman, ça va aller, maman. Ouais. Où sont les enfants? Ils sont sortis, ils sont allés jouer là. Ils sont allés jouer. Avec son ami là à côté, ils sont allés jouer. Ok. On dit qu'ils revenaient tout à l'heure. Ok. Maman est rentrée scolaire. Rentrée en colère. Eh oui. Maman, le chien m'a mordu. Eh oui. Non, c'est ton enfant. Avec le sang partout comme ça là. Qu'est-ce qui s'est passé?
Chérie, il faut bien laver ces blessures-là. Avec l'eau et du savon. Il faut bien laver. Oui, l'enfant. Après, on va l'amener à l'hôpital, fiston. Ça va aller. Ça va aller. Il faut éviter les chiens, fiston. Il t'a toujours dit, il faut éviter les chiens. Papa, il faut éviter les chiens. Il faut éviter. Il faut éviter, mon fils. Ouais. Allô? Oui, monsieur le vétérinaire. Ah, j'ai une situation là. Il y a le chien qui a mordu mon fils. D'accord. Non, on y a lavé avec l'eau du savon. D'accord. Je viens avec lui alors. D'accord. Merci, tout à l'heure. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment je peux vous aider? Alors, c'est moi qui vous ai appelé tout à l'heure par rapport à mon fils qui a été mordu par le chien. Ah, c'était donc vous? Oui, donc. Oui, déjà, vous m'avez demandé de laver les blessures à grande eau et du savon, ce qui a été fait. Et maintenant, nous venons vers vous pour savoir la conduite à tenir. Absolument, c'est ce que je vous ai dit. L'avez-vous fait? Oui, donc, on l'a fait. Très bien. Et est-ce que vous avez identifié le chien? Est-ce que vous pouvez localiser le chien? Non, donc, nous ne connaissons pas le propriétaire. Parce que le chien... l'enfant était mordu au stade, donc le chien peut être en divagation, c'est un chien errant, je ne sais pas. On ne peut pas localiser le chien. D'accord. Alors, lorsque nous avons un cas de chien errant mordeur, n'est-ce pas? Oui, la procédure à suivre, c'est d'amener l'enfant à un centre agréé pour la prise en charge. Vous comprenez? Oui. Tel que vous avez fait, déjà laver la blessure à grande eau avec du savon, ça c'est déjà très bien. Vous dirigez vers le service vétérinaire également. Là maintenant, nous vous conseillons d'aller vers un hôpital pour la prise en charge de l'enfant. Étant donné que nous ne pouvons pas mettre la main sur le chien, le mordeur pour le mettre en observation. Et comme le chien est errant, ça veut dire qu'on ne connaît pas son statut vaccinal. Et on considère que c'est un chien qui peut être infecté. Vous comprenez, monsieur? Oui, donc vous allez vous diriger vers une institution hospitalière pour la prise en charge de l'enfant. Là-bas, on va prendre en charge l'enfant en traitant localement la blessure. Et deuxièmement, on va le prendre en charge pour ce qui est du vaccin antirabique. Parce que le chien est errant et qu'on ne sait pas où il est et quel est son statut vaccinal. Vous avez compris? Oui, donc je vous saisis parfaitement. C'est comme ça, il est têtu, il faut que vous lavez d'abord la tête. Non, papa.
Comme il est d'abord petit comme le chien là, que va prendre mon argent. Je n'ai pas l'argent avec la rentrée, c'est là, je n'ai aucune, je n'ai l'argent. Il faut vacciner la mort. Je n'ai pas l'argent pour tout ça là. Il faut l'amener chez le vétérinaire. Vous ne pas là-bas. On doit le vacciner. Il y a rien. Et la rage. Ça va tuer tout ça. La rage, papa. C'est la tête qui va te tuer. Ouais. Pas laver un peu le sang fils. Avec de l'eau dehors là et après tu cherches le fibangrasi, ouais. Bois. Comment tu me dis ça? Hein? Tu veux que je fasse quoi? Et comment tu me dis les choses comme ça? Depuis qu'on met le fibangrasi sur la glacine de l'avant, tu veux savoir comment on piste? Hein? C'est quoi ça? Ça veut dire que quoi ça? Je ne veux pas ça, lève-toi là-bas, on part à l'hôpital. Le chien m'a déjà mordu partout depuis la moelle. Papa, pardon. La moelle du chien fait une petite chose. Tu es là, tu me dis qu'on met le fibangrasi. Tu me dis qu'on met le fibangrasi. Ça va, ça va, et toi? Ah, je suis là, je suis là. Depuis la fois où le chien nous a mordu là, je suis là. C'est comment t'es prêt? Qu'est-ce que tes parents ont dit? Ah, mon père! Ouais, mon père m'a donné le fipangraf, non? On a bouilli ça. Il m'a donné des brumets. Ça va quand même. C'est vrai que je me sens pas trop bien, mais vraiment, viens les darrer. Avant le jour, là, mon père m'a amené chez le vétérinaire. Après, chez le vétérinaire, il m'a amené à l'hôpital et on m'a vacciné. Donc, moi, je me sens très bien. Et pour dire vrai, moi, je suis inquiète pour toi. Parce que le fait qu'on ne t'a pas amené chez le vétérinaire et on ne t'a pas vacciné, moi, je suis vraiment inquiet. Pour mon cas, c'est pas grave. Puisque mon père m'a dit que autrefois, le chien l'a mordu. Il a bu le bois des herbes avec le fipangraf. Et il n'a rien eu. C'est ce que je dis, donc voilà. Donc pour moi, j'espère que ça va aller. C'est vrai que j'ai eu une petite fièvre après ce jour-là, mais ça a l'air d'aller. C'est ce que je crois. Je ne sais pas si tu peux causer avec ton père. Tu faut le convaincre qu'il t'amène à l'hôpital parce que la rage, c'est pas un bon truc. Tout à l'heure, le mal n'est pas fini. C'est pas parce que le chien nous a mordu. Donc tout à l'heure, on rentre là-bas. C'est vrai que tu me mènes, mais seulement il veut remettre les buts là. Il n'y a pas de souci, n'importe quand que tu veux. Okay, on va recommencer le deuxième. D'accord, on risque de te gagner. Ok. Ma voix, tu as pris. Ok, il y a quoi? L'enfant que le chien a mordu, il est mort. Qui? Ne me dis pas. L'enfant là est mort. Celui que le chien a mordu. Qui? Lui. Yeah. Maman, ne te mens pas. Ne me dis pas. Je te dis. Il y a des pleurs là-bas. Ah bon? Allons aussi. Allons. Eh mon Allons. Dieu, on part. Yeah. C'est comme ça qu'elle vient de perdre un enfant. Si elle savait, je devais écouter les conseils des gens là. Amener l'enfant même à l'hôpital. Ça c'est quoi? Mais peut-être c'est la sorcellerie du village. J'avais toujours dit que ma grand-mère là n'est pas bon. Elle a encore mangé un de mes enfants. On accuse le chien. Le chien m'a déjà mordu depuis partout. Je suis mort. Avant que l'enfant vienne, ça c'est la sorcellerie, je ne peux pas accepter. Mais si je savais comme ça, là, je devais écouter les gens, là, amener au moins mon enfant à l'hôpital. Peut-être que ça devait sauver l'enfant. Thank you.
it's Filipian monkey.